Salut, c'est Keliana et nous voici dans le quatrième épisode de Dishonored, la mort de l'Outsider. Alors, dans l'épisode précédent, on avait récupéré la lame qui permettait de tuer l'Outsider. Donc, cette fois-ci, on va aller chercher. On va aller au Conservatoire Royal pour trouver des documents qui nous permettent d'aller Bonne journée de travail, mon frère. On note les textes dans le hérétiques grand vide. aujourd'hui et c'est terminé. Bon, où est le registre? Ne t'inquiète pas, j'ai déjà noté tous les livres volés. En revanche, on ferait bien d'aller voir Sœur Rosely. Elle a découvert des objets. Je ne peux rien sauver. Il ne reste que des cendres. Je dois vérifier dans le registre si ce que je cherche est toujours là. D'autres remèdes contre l'impuissance? J'ai vu assez de recettes comme ça, façon. Prenez l'acide de Mandragore. Non, c'est différent. Sœur Rosely a vu l'archive dans son vision. Elle semblait très perturbée par son contenu, d'après ce que m'a dit Frère Diaz. Il a entendu murmurer que ça pourrait détruire l'abbaye. Ah! Fais attention! Tu es à la limite du blasphème. Viens, 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 je vais me présenter. Alors, qu'est-ce qu'on a en stock? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Où est-ce que je peux aller pour aller là? Là. Ensuite. Là. Bon, il m'a vu. Les autres m'ont pas vu. Le registre. Ceci est la liste exhaustive des objets hérétiques soumis à un examen complet au cours du mois de la pluie de 1852. Examen en cours. Papier trouvé dans le bureau de la conservatrice. Argent graphique. Notre lettre. Note, c'est grâce à une vision que l'ordre oraculaire a su trouver. Où trouver ces nouveaux documents? L'archive a été confisquée par Sœur Rosewyn. Elle se chargera de l'examiner pour détecter toute propriété potentiellement hérétique et communiquera directement ses découvertes au vice-superviseur Cardosa. Dispositif hérétique, lentilles, cercueil profané, fil, appareil. Note sera démontée et envoyée à l'abbaye lorsque les sœurs auront terminé leur examen. Matériel brûlé ou envoyé à l'abbaye. 43 caisses. Livre de recettes occultes. Études hérétiques. Sorts rituels détaillés. Récits blasphématoires. Brûlé. 17 caisses. Fioles de potions inconnues. Baume, herbes, racines. Envoyé à l'abbaye. 10 caisses. Cheveux humains. Os et membres d'animaux. Brûlé. 3 châles brodés avec des symboles hérétiques. Brûlé. Un autel en bois sculpté, ciré et usé. Brûlé. Une poupée d'enfant. Corps massif, visage de pomme ratatiné, percé d'épingles, brûlé. 34 runes et amulettes, envoyées à l'abbaye. 7 carnets et journaux intimes, envoyés à l'abbaye. 2 lentilles divinatoires brûlées. Une caisse, différents appareils de gratification personnelle, brûlés. 3 ensembles de dents et donc d'enfants, brûlés. Un frêne, coupé à la racine, sur la terrasse du conservatoire, brûlé. 4 caisses de bougies, encens, cloches et objets rituels assortis, brûlés. Ouais, brûle tout. Sœur Rosewyn cache des documents chez la conservatrice. Je dois les trouver. Voilà. Donc on doit aller là-haut. Qu'est-ce qu'il y a par là? Mmh.
demander si c'est vraiment la voie qu'elle désire. J'espère simplement que l'outsider ne l'a pas déjà débrouillée. Je peux pas monter. Non, non, t'as vu personne. Impossible. Voilà, quelqu'un est par terre. Je sais pas, c'est le génie de comme où est on va aller voir au marché ce qu'il y a. Oh, vous m'avez fait peur. Ça faisait longtemps que personne n'était passé par là. Ouais, t'avais un peu des planches devant ta porte. Alors, avec qui on a... J'espère entrer en chambre. Ils vont être ces trucs. Des armes et des babioles maintenant. Plus de force. Passage de contrôle. C'est quoi? Roulette du vide. Non, pas intéressant. Là. Charme d'os. Mine. Grenade. Munition. Course silencieuse. Hop. Ça, je m'en sers pas. Ça. Ça. Vitesse de rechargement. Ça, ça pourrait être intéressant. J'ai rarement des clients qui viennent de ce quartier. Vivement la fin de la quarantaine. Et ça. Voilà. Voilà.
dans ce qu'on a en plus. Non. Voilà. Tout est fermé, ordre de l'abbaye. Passage des contrebandiers. Par le passé, des contrebandiers ont réussi à pénétrer dans le conservatoire royal sans être vus. Leur passage secret passe par les égouts, à droite de l'entrée principale. Je ne sais pas, mais je vais réussir à sortir par la cour. Je crois bien qu'il ne reste plus qu'une seule sortie vivante. Notre thérapie a bien réduit leur rang. Bien comparé. On peut pas passer. Mieux vaut éviter qu'une autre aille s'y réfugier. Chemin d'un infidèle en pestant le grand vide, la mort l'emportera ce soir. Oula. Est-ce aujourd'hui que l'un de mes chers frères va devoir noircir mon masque? Il n'y a rien par là. Normalement, il y en a un deuxième. Où est-ce qu'il est? Il est là. Ils ont tous été coupables actuellement.
intense avec leurs cris. Je suis déçu d'avoir raté ça. Une a craché au visage de Cardona. Alors on lui a coupé la langue. Une sauvegarde avant de faire des bêtises. Mon cher frère, je gage que tout va bien de votre côté. Comment se porte mon jardin? Mes pommes de terre ont-elles commencé à germer? J'aimerais tant être à votre côté et non dans celui marqué par l'hérésie. Je comprends tout à fait l'importance de notre travail au conservatoire, mais je crains de ne jamais parvenir à me purifier complètement après avoir connu la souillure des vestiges du cercle de Deila. Frère, vous n'imaginez pas à quel point ces créatures se sont fourvoyées ou un des canons. Elles ont tourné le dos à leur humanité pour se vautrer dans les plaisirs de la chair, comme des animaux, et vénérer l'outsider par le biais de rituels impies. Le rouge de la honte me monte au jour lorsque je lis ce qu'ont écrit ces êtres pervertis. Et qu'espéraient-elles en retour? Quel pouvoir fugace! C'est incompréhensible, il me tarde d'en finir et de rentrer. De retrouver notre saine terre, l'éclat du soleil et la quiétude de notre vie commune. Au service de notre foi, frère Hippolyto. Je lui ai coupé la jambe. Écrire. Ça, je prends. Thank you.
Une tortue. Plusieurs sorcières sont retenues prisonnières au sous-sol du conservatoire royal. L'une d'entre elles a été abattue dans la cour après avoir essayé de s'enfuir par la ventilation. Est-ce qu'il va falloir sauver les sorcières? Est-ce qu'il me voit si je me plante sous la table? Regarde. Oui, il me voit si je me fonce sur la table. Il y en a un qui vient ici. Avance, avance. Oula. Le mec là-bas, il a rien entendu. Attendez, on va commencer par le début. Il n'y a rien, rien de l'argent. Manuel de guérison musicale. Je prends. Yeah. Il y a rien. On va aller voir les sorcières. Je ramasse d'abord tout ce qu'il y a à ramasser. Là, il y a un escalier. Je suis coupable. Oh,
j'ai des secrets à échanger contre ma liberté. Je peux te dire où les sœurs cachent leur colis de Géonos. Ou bien un sort pour ne plus jamais être seule. Je connais aussi un passage sacré vers la grâce. Apparemment, elles peuvent y voir à l'avenir. Sacrée vue. Tu peux ouvrir la porte. L'homme sans visage, il a la clé. Où sont les sœurs? L'homme sans visage. Voilà, arrête de pleurer. Elle est moche. Ah non, c'est pas. Dieu l'est d'abord. Dieu l'est pour ce qu'ils m'ont fait. S'ils posent à nouveau leur regard sur moi, je suis morte. Ils vont me trouver. Ils peuvent tout voir, même pour ma tête. Mais pas s'ils sont morts. C'est bon. Tu peux enfin quitter cet endroit. Partir. Je peux partir. Écoute, cherche en haut du tableau à gauche. Tu trouveras la clé de la porte fermée. En haut du tableau à gauche. Quel tableau, celui-là ? Ça serait bien de préciser quel tableau. Est-ce qu'il y a un... Là, il y a un tableau. Là aussi. Il va falloir être un peu plus précise. Hein. On attend que ça recharge. Ah. Oula. Ok. Alors, c'est parti. Très discret. Continuez. Non, c'est pas ici. C'est la fin du pouvoir.
Arrête de bouger. Ah. Ou le dernier. C'est bon? Ah non. Je prends. Ensuite, c'est où le dernier? Où il est? Bon, après, il est tout seul, c'est pas une menace, mais... C'est casse-pied. Frères et sœurs, si l'outsider vous rend visite, souvenez-vous de trois choses. Ignorez ses paroles, ne le regardez pas et n'acceptez pas ses cadeaux. Et ça a fait quoi? Ça a rien fait. Rien. Ça. Hors de leur chapelle. Je n'en ai vu qu'une seule. C'est la première fois. Je me suis demandé, frère, pourquoi elles sont ici. Nous pouvons sûrement gérer ces hérétiques nous-mêmes. Sir Roswin a personnellement demandé à entêter ici. Je me suis demandé pour l'aider dans sa mission. N'oublie pas, mon frère. Essayons ça. La prophétie guide l'abbaye. Et l'abbaye le guide à son tour. Merde, c'est quoi ça?
jetons un coup d'œil aux alentours. Moi, quelqu'un est à terre. L'ingénieur est à terre. Parlez, parlez pas le droit. Je vais reconnaître un agent de l'outsider, au revoir. Ma technique préférée, attendre les mecs derrière les portes. Ou l'autre. Voilà. C'est une tortue. Ça, ça se prend, non, ça se prend pas. Et là, il y a quelque chose. Ah ah! Un petit coup de sauvegarde. Hop là. Et ça, ça redescend où on était tout à l'heure. C'est en haut. Elle est très moche, la tortue. Ça, ça ramène au début. Non, pas le... Voilà.
Hein? Oui, il m'a vu. J'aime bien la déco. L'esprit est clair. J'ai inspiré les fumées, mais aucune vision. Pourquoi ? Putain, ils sont deux. Il y en a une, elle passe le balai quand même. Quelqu'un a posé des problèmes ici. Où es-tu passé ? C'est bizarre, ça me fait penser un peu à la maison de Delilah dans le deuxième.
côté de la morgue. Il est où le mec? À de tels mensonges, car leurs échos nous reviennent avec la voix de l'outsider. J'entends, mais je vois pas. Peut-être là-haut. Voilà, il y a du monde là. Il y en a un qui a la clé de la morgue. Cadeau. Bon, j'en ai eu qu'un. Tu crois vraiment que les gens ils vont te répondre si tu dis il y a quelqu'un? Pouvez-vous donc errer? Tout n'est que destruction derrière vous. Seriez-vous prêt à marcher sur le charbon ardent ou du verre pilé? Ouais, pas besoin de l'outsider. Hein. Yeah. Lui, il avait rien. Il n'y a pas de clé? Non. Non, il n'y a pas de clé.
victime d'elle-même. Oh, le bruit que ça a fait. Sœur Rosewee note avec soin ses visions prophétiques. On dit qu'elle connaît le monde secret des îles, les meurtres, les trahisons, les liaisons amoureuses. Ces informations feraient de moi une femme puissante. J'offre mes charmes d'os à celui qui s'infiltrera dans le conservatoire royal pour dérober son carnet. Piller les prophéties. C'est pas ça son carnet ? Voilà. Sauvegarde. Hop. Ensuite, est-ce qu'on peut monter ? Voilà. Vas-y. Demande sur la terrasse. C'est à propos de l'archive hérétique. Elle veut que vous la preniez. Oui, oui. Très bien. Dites à Sœur Rosewee que j'arrive. Je dois d'abord finir ce petit test avant que la chair de cette créature ne se dégrade. La courbure s'amoindrit dans le lobe frontal. Inhabituel. Non. Comme le disent les canons, l'esprit errant se fractionne et se divise. Elles sont combien là? Vise la tête, la tête, vise la tête. Vise la tête, la tête, voilà. Alors. Voilà. Ma sœur morte. Il n'y a rien. Ah si, là. On s'en fout que ta sœur soit morte. La tête. Nous voyons tout avec le temps. Quelque chose a dérangé ma transe. Les bruits, les ombres, inspiré les fumées, mais aucune vision. Voilà. Je peux le regarder avec un projecteur d'argentographie. Si l'ordre oraculaire peut vraiment voir l'avenir, alors cette argentographie me dira tout ce dont j'ai besoin. Attends, d'abord on fouille.
Mais qu'est-ce qu'il y a? Qui c'est qui me parle là? Voilà. Sans vie, sans vie. On est déjà venu ici dans Dishonored 2. Il y avait des plantes et tout ça, c'était dégueulasse. Ah oui, il y avait ça là. C'était un tour de plantes carnivores. Ouais, c'est la maison d'Elie là. J'avais bien. Je me doutais bien. Sans vie. Juste ce qu'il faut. Il ne devrait rien y avoir de ce côté de la montagne. La carrière nord de Shindere. C'est là où les aveuglés entrent dans le grand vide. Je ferais bien de garder cet argent graphié. Bon voilà, on a trouvé l'endroit où il passe dans le grand vide. On va essayer de sortir d'ici. Nous n'avons pas été en mesure de pénétrer dans la pièce où seront pliées les dernières sorcières quand elles ont compris que toute résistance était inutile. Les hérétiques ont été abattus à coups de pistolet, mais les survivantes ont bloqué la porte. Il y a vraisemblablement des artefacts profanes à l'intérieur. Nous devons impérativement entrer pour indiquer toute magie noire encore à l'œuvre. Attention, la dernière sorcière présente dans le sous-sol ne doit pas être tuée. Elle doit savoir comment entrer. Faites-la parler. Superviseur Benson. Donc elle nous a dit... Le tableau... C'est là ? Non ? Ah ah ! Hop là. Voilà. Clé des sorcières. Si je prends... Des œufs. Je prends. J'aurais pu rentrer par en haut, c'est vrai.
quoi ces cigares? Je fais mes adieux. Je m'appelle Catriona Bell, je suis née à Balleton, d'une mère que je n'ai jamais connue. J'ai été balayeuse dans une usine pendant toute ma jeunesse. Je suis partie à Karnaca pour y trouver davantage de misère, de poussière et de mort. Ici, à Ebraina, j'ai dansé nu avec des mouches de sang et j'ai embrassé les ennuis à son côté de ceux qui m'avaient humilié. Puis tout a disparu et les superviseurs sont arrivés. Je mourrai dans cette pièce, mais je suis en compagnie de mes sœurs que j'aime et qui me rendent mon amour. Je vais les retrouver toutes dans leur envie. Là. Celui-là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh putain! Je sais pas qui c'est qui a mis tous ces pièges. Par où je peux aller? Si un assaillant est proche, je dois rester sur mes gardes. Tiens. Thank you.
Alliance. Une alliance oubliée ici par les anciens propriétaires de l'établissement. Ouais, on va aller voir les contrats. Je dois me concentrer sur les 7 canons. Ces troubles ne sont que passagers. Ils ne se feront pas. Ils se dressent au milieu des justes, tel un essaim féroce, dévorant tout sur son passage. Non, c'est pas par là. C'est par là. Ça doit être ça. J'ai de bonnes raisons de croire que l'abbaye de Quidam est en train de commettre d'énormes atrocités dans le conservatoire royal. Si vous avez aussi peu d'estime pour eux que moi, éliminez jusqu'au dernier les superviseurs et les sœurs aveugles, à l'exception de frère Cardoza. Attachez-le dans une de ces chaises musicales, je m'occuperai. Ah, ça, c'est raté. Ça, par contre. Paraît risqué. Ouais. Ouais. Les visiteurs du conservatoire étaient mes meilleurs clients. Non, vous m'avez pas vu, non. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Que veux-tu? C'est mon Loni. Il est entré dans le bâtiment avec la fiche rouge là-bas. Il a dit qu'il voulait vérifier quelque chose en vitesse. C'était il y a des heures et il n'est pas revenu. Et sa groupe de superviseurs. Quelque chose de terrible a dû se produire. Tu as l'air forte. Pourquoi tu n'y vas pas? Je peux pas. J'ai promis de rester ici, loin du danger. Loni dit qu'on ne doit pas prendre de risques, surtout si... Tu veux bien y aller pour moi? Une seconde. Je m'occupe de lui. Tiens, voilà, c'est cadeau. Bon, bah, on n'ira pas chercher l'ONI. Hein. C'est pas où qu'on monte. Wouh! Oui.
J'arrive pas à remonter. Pardon. Et maintenant, je suis bête, je monte là-dessus. Et ensuite, un petit peu trop haut. Bon, on s'arrête là pour la 4e vidéo. Voilà. Allez, salut !